Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler plusieurs langues. C'est très 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 facile de parler plusieurs langues. Pour parler espagnol, il n'y a rien de plus simple. À chaque fois que vous parlez, à la fin de votre mot ou de votre phrase, vous mettez un O. Buongiorno, como esto? Esto bieno? Bieno. Que feito? Rien detto. Kinder bueno? Si, señorito. Paquito. Despacito. C'est très très simple. Pour parler italien, vous finissez avec un i, que des i à la fin. Hola, Mucabrazzi, Luca Toni, ma che belli, che francesconi, che becchi mettebani, spaghetti, panzani, mucaboni, Luca Toni de mucassoni, de fracchecelli. Pour parler anglais, il suffit de dire de la merde, mais en beugant, faut que tu bégayes un peu. Yeah, but you know that's crazy and you know. But I'm happy to, and I understand umbrella in the kitchen. I have got in my bathroom and my swimming pool. Vous pouvez aussi parler turc. Alors, turc, c'est très facile. Il suffit simplement de rajouter à la fin de chaque mot ou chaque phrase. Bulum, kulum, surum, furum. Tukulum, hugulum, sukulum. Skaram, skulum. Bulum, kulum. Tururum, fururum. Kuburum, hugulum. Hugulum, sukulum, tukulum, bugulum. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, très très simple, vous prenez un verre d'eau. Voilà, maintenant vous parlez couramment turc. Et enfin, pour parler couramment arabe, il faut improviser, rajouter un peu de bruit, des bruits comme tak, mak, prak, sak, et avoir envie de cracher.